Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique. Chaque dimanche, 3h sur Radio Métropole et sur Télémétropole, le rendez-vous économique. Une émission bien spéciale, les enjeux politiques et économiques des législatives. Nous allons faire une émission qui est politique, puisque c'est l'élection qui fait, mais qu'on connaît que l'impact économique est très important. Nous allons faire ça, nous allons l'élection. Nous avons une année électorale, nous avons fait une première partie législative. Ensuite, nous allons passer à présidentielle municipale. Année très longue sur le plan politique. Comme d'habitude, nous avons deux consultants politiques nous toujours invités à l'émission. Nous avons Erol Jean-François, qui est président Radio Ibo, président directeur général. Et nous avons France Duval, qui est toujours avec l'analyse politique, lui-même, c'est rédacteur en chef de Le Nouvelliste. Monsieur, merci de nous répondre à l'invitation. Erol, depuis que je suis arrivé à la politique, c'est fort brûlé, monsieur. Je ne vais pas être clair. Bon, plaisir, Erol. Salut, France. Bonjour, Erol. Salut, téléspectateurs et tout. France. Est-ce que tu prévois l'élection? Bonjour, bonjour. Non, on a dit la fête. La fête. On a dit la fin de fête. Ah, la fête. Où est la prolongée suspense là, toujours? La commencé le 9 août. Et je crois que la population va le voter. Donc, qui pourcentage? C'est la grande question. D'habitude, législatif, il n'y a pas grand pile d'engouement pour eux. Nous avons dit que c'est dans le schéma ça, nous sommes essayés, sauf surprise jusqu'à présent. Très peu d'engouement, mais à fête le 9 août. Il peut y avoir 1 million d'électeurs en plus. Démographiquement, bah, la guerre a augmenté sérieusement. Et nous avons commencé à atteindre l'âge de voter. Bon, c'est normal, pas oublier la structure, l'âge paysan. Les jeunes ont représenté 61% de la population paysan. Et chaque année, il y a une majorité qui est capable de voter. Donc, le nombre d'électeurs ont voté et alors augmenté. Et normalement, nous avons supposé gagner sous table en termes de participation plus de monde qui a voté, mais. Pour raison nous connaissons, les raisons évidentes. Législative en général pas attirant plus le monde, c'est présidentiel qui attire le monde. Bien que les nous prenons dernier mandat qui sont passés là, alors qui est en cours, qui a fini. Je pense que l'État doit interpeller ainsi un peu comprendre la nécessité que législative gagne pour mettre bon sénateur, bon député, etc. Parce que le véritable pouvoir, on a vu la capacité de blocage du Parlement. Et la Constitution, en fait, là, les Parlements ont une importance extraordinaire dans le régime politique nous gagnons. Donc, mais nous ne connaissons que pour une grande première, nous pourrions gagner plus de monde qui a voté. Mais gagnons une série de facteurs conjoncturels, moi je pense, qui ne sont pas en faveur de l'élection. Facteurs conjoncturels, dernier facteur, c'est la hausse vertigineuse du coût de la vie. Mal dans ma quête hier, et monsieur, moi, et des ajustements, nous avons qualifié de abusif et brutal. Et sur le point, on produit, par exemple, un petit canne jus, une affaire blanche qui était conduite en 38 gouttes, il passait de 38 gouttes à 60 gouttes, ça veut dire qu'il y a 22 gouttes en plus sur lui. Sur le point, un carton litre et un carton lettre, 1 litre, et ça que tu conduis 100 gouttes ou bien 125 gouttes là. Il y a 22 gouttes en plus sous lit, ou plus. Donc, nous considérons ça, nous avons parlé de partie population qui a un pouvoir d'achat et garanti. Alors, reste partie population qui n'a pas un pouvoir d'achat garanti, qui n'a pas checké mon bureau vivre, etc., qui a toute difficulté. La majorité qui a survécu avec 2 dollars par jour. Yo. Alors, 2 dollars par jour, ça veut dire aujourd'hui, hein, c'est 100, 2 dollars par jour là, à 55 gouttes, c'est 110 gouttes. OK, ça veut dire. Et les gens qui survivent à 100 gouttes ou plus par jour dans le pays. Hein. Donc, ouais, difficulté au gain. Donc, est-ce que la préoccupation, c'est pour le voter? Moi, j'ai de gros doutes sur ça. On renverse le même dédié, c'est politique qui a influencé l'économique. Là, les économiques qui ont influencé la politique. Oui, c'est certain. 139 places, 1853 candidats. Beaucoup d'appels. C'est la première élection que nous gagnons depuis très longtemps, côté que toute partie, de l'extrême gauche à l'extrême droite, si nous avons une détermination en Haïti, présent dans l'élection. À un titre ou à l'autre, pour un poste ou bien pour l'autre. Il y a un candidat pour présidence, c'est au niveau législatif seulement, il y a un capitaine municipal, mais tout échiquier politique, là, tout éventail politique Haïti, fois ça dans l'élection, et jusqu'à présent, il y a un monde qui dit boycotter l'élection, mais il ne peut pas aller dans l'élection. Donc vous voulez dire non, il n'y a aucun monde qui dit je ne peux pas participer parce que je ne veux pas habiter là, et il n'y a aucun monde qui est exclu. Automatiquement. Il y a des gens qui excluent, suivant le principe. Des candidats, oui. Oui. Mais pas des partis politiques. Pas des partis politiques. Pas de quelle exclusion qui fait, pas de quelle monde qui mette dehors et tout le monde là-dedans.
tout le monde qui a un parti politique en titre ou l'autre, je dis à la participer à l'élection, il n'a pas appelé ni à boycotter ni à contester quoi que ce soit. C'est en première en Haïti, c'est signe que bon envie d'aller à l'élection, son signe que fait 5 ans quasiment sans avoir l'élection en lit, bon conséquence. Conséquence, c'est que mon yoblé à le candidat. Son signe tout qu'à tous les niveaux, il y a des gens qui veulent servir le pays. Nous avons posé 10 000 questions qui motivation les gens qui veulent servir le pays. Mais le fait est que, ils ont fait le premier pas, ils ont candidat à un titre en poste électif. Yep. Monsieur, c'est pas une émission économique, mais vraiment des politiques là sont sciences liées et tout. Données là, moi je prends base de données KEPA qui donne nous exactement comment la situation est. Et nous allons commencer d'abord avec un tableau. J'aime pas parler français, à savoir le nombre total de candidats. 1853, c'est le nombre total là, et mettez-le par importance au niveau des départements. Département de l'Ouest, qui a 37% de population, il y a 491 candidats au total. Le Nord arrive en deuxième position, malgré le Nord, pas en deuxième position en termes de population, c'est la Tibonite, Nord avec 236 candidats. La Tibonite, troisième, 222, le Sud, 200. Centre, il y a 150 candidats. Nord-Ouest, Pral, gagne 121. Sud-Est, 132. Grand, 104. Nord-Est, 100. Et en dernière position, NIP, 97. Ça veut dire candidat pour députation et pour Sénat. Ça, chiffre, ça veut dire nous là. Bon. Soit je regarde bien ou tu as dit, interprété comme mon engouement de participer à la vie politique du pays, à changer la réalité du pays. Et de ce point de vue, ce n'est pas un mauvais bagage que des gens qui voulaient participer dans la vie politique pays. Mais maintenant, il traduit en malaise tout, il traduit en réalité. La réalité, c'est qui ça? C'est que en politique aussi, c'est l'informel. Parce que si la politique n'a pas été informalisée, même genre économie informalisée, même genre tout bagage informalisé dans le pays, ou tu as gagné, on va dire, en 5 à 10 partis politiques. Donc tu es pour la consolidation. Oui, ou t'as bien. Au lieu que immédiatement ça a fait. Non, justement, ou t'as bien la politique t'as fait à travers les plateformes politiques qui c'est plateformes politiques. Donc ça montrait que il y a un gros problème d'organisation. C'est-à-dire l'organisation c'est pas ça nous privilégier en Haïti. Parce que si c'était plateforme considérée des partis politiques solides, c'est pas un parti politique. L'OAN Calé, pour nous, les gens, ça pousse ici. Non, parti politique des organisations que vous connaissez, qui là, qui est respectable et qui a une représentativité dans le pays, hein, qui inscrit candidat. Mais j'ai un système politique, nous, en fait, là, n'importe qui monde doit candidat, pas gagner aucune restriction par rapport à la participation du citoyen, si vous voulez, à n'importe qui fonction élective. Donc, moi, je pense que chiffre ça traduit cette réalité de. Non-organisation de la vie politique autour des structures politiques et qui relèvent les partis politiques. Point. Bon, le regard de Chifio, on a dit deux ou trois observations que nous faisons à partir de Chifio. Quatre principaux départements qui habitent le pouvoir en Haïti, l'Ouest, le Nord, l'Artibonite et le Sud, qui ont plus que moitié de monde qui est candidat. Ça veut dire que côté habitué à faire politique, ils continuent à faire politique. 1100 et plus candidats sortis dans quatre départements, sous 1800 et quelques, presque 1853 candidats dans tout. L'autre bagage que nous avons dit, tout, nous avons dit que les partis politiques, ils n'ont pas 100% candidats pour 100% portion. Vérité, il y a plus candidats pour députés, il y a 100 candidats pour députés. Ça veut dire qu'il y a 19 côtés, vérité, il y a plus de monde qui est candidat que le pavoué personne représenté. Le parti président Matelia qui est au pouvoir, il n'y a pas de monde dans toute portion non plus. Il y a 99 en deuxième position pour les députés. C'est ça. Même bagaille pour le Sénat. Le Sénat, il y a plus de candidats au Sénat. C'est Famille Lavalas, il y a 16 ou 20 postes qui sont ouverts. Parti président Matelia, il n'y a pas 20 ou 20 non plus. Il y a moins que. À 11 voilà. Pour le Sénat. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que le parti politique, même les paraît en pile, il est faible. L'orage Calé, Jean-Éwol, se dit, ah, moi, entièrement d'accord. Mais en réalité, faible là, c'est à tous les points de vue. Faible là, c'est même réussir. Je suis un candidat pour représenter. Non, c'est conscription, côté que vous avez ambition de contrôler tout le pays, vous avez réussi à jouer un candidat pour tout poste. Nous presque dit heureusement que tous 200 candidats, partis politiques n'ont pas un candidat pour tout poste, parce que là, l'élection, on il a plus impossible toujours. Tout à fait. Mais ça veut dire que les partis politiques ont un problème de représentativité et nous parlons tout peut-être d'un problème que vous avez gagné pour jouer votant pour le faire candidat au passé. Tout à fait. Un point important que faut attirer attention là, c'est presque aux États-Unis, vous avez Californie ou bien Texas ou bien Floride, l'élection presque finie. Donc en Haïti, il faut commencer à comprendre ça tout. Là, on a l'Ouest, ou bien la Tibonite, ou bien le Nord, soit ajouter le Sud, presque pas d'élection encore. Ou bien dire là. Dernière élection encore plus grave.
président Martelly gagne parce que il y a des gens de Pétionville qui ont fait bruit pour lui. Même pas l'Ouest. Le reste du département est tranquille. Il se trouve qu'il y a un point dans l'Ouest, là, qui était Pétionville, un point dans le Sud, là, qui était au Caï, qui a fait bruit pour lui, et puis en fin de compte, il finit par passer. Parce que le nombre de votants pour la dernière élection, nous ne pouvons pas finir de compte qui s'allie, CEP a lui-même, bah, j'aime bah, chiffre définitif. Yo. Ça veut dire que vous avez une, deux, trois communes qui réussissent à mettre dans la rue pour vous et pour gagner l'élection. Est-ce que nous ne pas supposer, même j'ai donné ça avant, Jean-François Blé, que nous évitons là, pour tout donner, tu as bien calculé fois ça pour nous connaître les résultats réels et pour nous faire des sciences là, pour nous faire une projection en quelque sorte. Bon, c'est certain qu'il est bon que nous allions vers une modernisation du système électoral haïtien, de quoi, et pour pas gagner de problème, pour pas gagner les retards dans la proclamation des résultats, par exemple. Donc, il faut nous dériver, mettre en place un système de contrôle et de vérification. Il faut partis politiques, même les gens dans l'autre pays, ils arrivent à faire ça, des centres de comptage autour, et puis, pour à 11h du soir, l'élection en fait, et puis tout le monde gagne résultat, et tout le monde gagne à peu près le même résultat. Ça peut faire qui ça? Il peut le faire que pas gagner en bonne contestation inutile, parce que tout le monde est capable de vérifier la vérité des chiffres. Mais maintenant, est-ce que dans le système électoral, nous gagnons la CEP en gain de temps au point, puis est capable d'avoir un procès verbal à temps et transmettre procès verbal? Parce que hier, nous avons fait une discussion. Ça arrive avec le désengagement de la ministre dans certains départements. La logistique n'est pas possible et rapide. Nous pas retourner dans le transport des bulletins dans le sac, sous dos, dans le bourrique, à pied, etc. Avec tout inconvénient qui a gagné dans ça de manipulation, de urne ou bien de résultats. Donc, nous entendons dire que le CEPA parlait de photographie pour être capable de voler, de scanner, etc. Mais maintenant, avec un téléphone intelligent, on fait photo, hein, yes. On voit et comme ça, sous WhatsApp, et puis rapidement, on a une certitude de que voici mes résultats. Yo, l'autre monde qui a porté matériel et photo, pas Kevin Zou, comme ça. C'est pas ça, oui. Yeah. Donc, ça veut dire depuis l'élection en fin de fête, là, à 6 h du soir, il y a un temps et fait procès verbal, tout le monde représentant chaque candidat qui l'a eu. Il a certifié, et puis propre, fait photo, et puis voilà. Donc, moi, je pensais fort nous arriver dans la modernisation du système électoral. Tout à fait. Franz, on fait un petit coup d'œil qu'on y a là sur le candidat au Sénat de la République. Pour les 20 places qui sont disponibles, il y a 232 personnes qui ont frappé l'emporte là. L'Ouest toujours en première position avec 39. Nord monte encore son un département très politique avec 34, malgré le moins de monde que l'Artibonite. Nous avons trois départements. Nord-Ouest, l'Artibonite avec le Sud avec 25. Le centre 23, la grande 16, nord-est 16, nip 16, 15, pardon, sud-est 14. Donc, le schéma n'a pas trop changé, mais il est capable de donner une idée quand même de comment, qui est capable de faire au niveau du candidat. Bon, là. Mais tout le monde a même place. Oui, c'est même quantité de place qui a couru derrière, c'est deux places par département. On va dire qu'on va voir, et nous, on a liste candidat, il y a un candidat déjà. À l'élection, il y a un candidat qui est sénateur déjà, il y a un candidat qui est député déjà quand il y a un sénateur dans le département, il y a des gens qui ont perdu l'élection, qui retournent avec les gains, et puis il y a des gens qui sont sortis de nulle part suite à l'expérience ou bien à rêve qu'ils ont fait, parce que c'est moi j'aime compte sur qui ça on a décidé pour le candidat, il y a un candidat. Là, pas quoi que gagner nous a dit, autre que tant que l'élection faite pour nous avoir une espèce de premier nettoyage, un premier tri que la population va le faire, parce que sinon les chances sont pas qu'à dire égales. Mais est-ce que l'autre est là déjà pour tout le monde ou un avantage par rapport à ça? Pour un avantage. Pour un avantage, faire élection son machine, faire élection son méthode, son modèle, il y a des ficelles pour savoir-faire. Il y a des ficelles pour tirer, il y a des pièges pour éviter, il y a des bureaux de vote pour connaître là qui est important parce que la population, bah, même gens de tous côtés, il y a des centres de vote qui ont plus poids que d'autres centres de vote. Gain c'est au bouveiller, gain c'est là au cap d'un coup, gain c'est centre de vote côté adversaire. En fin de compte, gon bande géographie électorale là est très compliquée, particulièrement en province, côté que population pas aussi concentrée que dans grande ville. Moi quoi que l'autre dans l'élection déjà, l'autre gain mais côté perdu ou gon savoir faire définitivement qu'on connaît sous pour l'élection. Si c'est pour l'élection référendaire du genre admarré, tout le monde décide à voter non sens. Bien. On peut député Rewol, n'a pas gardé l'Ouest. Bon.
c'est le département, 452 candidats à la députation, Nord 202, l'Artibonite 197, le Sud 175, le Centre 127, Sud-Est 118, Nord-Ouest 96, Grand-Est 88, Nord-Est 84, NIP 82. Donc, il faut comprendre que au niveau Sénat, c'est deux candidats, tandis que là, il y a plus communes, c'est ça qui fait un volume ça, qui est beaucoup plus élevé, qui est 1621. Non, mais ça qui est arrivé, c'est que il y a une application de une disposition constitution qui fait que chaque commune a une circonscription quasiment. Et nous sommes dans 99 à 100 députés dans la dernière législature là. Nous pourrons aller à 119-120 députés dans la législature ça. Donc ça fait une gros mobilisation dans tout le pays. Ça veut dire tout le pays concerné par l'élection pour députés avec sénateurs. Mais là, nous avons une relation de proximité, pas oublier. Et en général, l'élection des députés, elle est faite. Alors, elle est faite dans la commune, c'est des petits espaces tout petits. Et puis, il y a, par exemple, pour telle circonscription, et puis il y a 10 candidats, il y a 15 candidats, il y a 20 candidats. Ça va le faire en pile, nous avons dit, débat politique, en pile mobilisation. Et puis, maintenant, vous avez déjà une bonne expression de violence qui est faite. Dans le dernier message que nous recevons, information que nous recevons, qu'on va récupérer dans notre Torbec. Un candidat qui attaque un autre candidat, etc. etc. Donc, moi, je pense qu'il y a un pile de bagages pour qui gérer. Moi, je pense qu'il y a un code de comportement pour les candidats, s'ouvrir, à chaque fois référer à lui, à partir de la loi électorale, pour qu'on connaisse que si vous-même vous impliqué dans la violence, vous êtes capable d'exclure dans la course. Là. Et puis, pour toute instance qui vient pour jouer, la police nationale, CEP, et que le juge dans le tribunal, l'autorité, n'a pas mélangé dans la question élection pour quitter le terrain dépassionné. Et puis pour le public, le fanatique, le bon, par exemple, on connaît dans la tradition politique pays d'Haïti, il y a un bon rara ici, un bon rara l'autre bord pour chaque candidat. Pour la campagne qui a déroulé, la grande tolérance. Et puis pour l'élection, parce que pas de temps pour le temps, pas de temps pour le temps pour faire campagne, c'est ton mois. Et puis pour le 9 août, tout le monde a voté. Et puis, ça qui est plus bon, il gagne. Que le meilleur gagne, c'est ce qu'on a souhaité. On a pris une première pause, nous, on a retourné dans quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. T'aimes raconter nous histoire qui a la banque pour changer l'argent papier en pièce monnaie. Bonjour, messieurs. Bonjour. T'as aimé changer l'argent ça yo en pièce monnaie, s'il vous plaît. Désolé, madame. Pas de monnaie. Oui, mes amis, à qui sa banque ça utile même? Li pas jamais de monnaie? Ça fait me songer problème de gain à qui on client. Client, pas de monnaie de goût et demi. Pour une tissurette pour passer dans la bouche là. Chérie, amour, tirette pas l'argent. Mais monnaie en pièce, c'est l'argent. C'est pas bon petit monnaie, non. Comment vous allez compléter comme camionnette là? Moi, pas découragé, non? Moi, t'es passé dans une autre banque. Bonjour! Bonjour! C'est monnaie en pièce ou besoin? Mais banque qui a fait travail, li. M'a tout quitté l'autre banque qui pas de bon service. Là. Merci en pile! Aïe, tout, belle madame. Nous là pour nous servir. Toujours marcher avec pièce monnaie. Comme ça, vous avez toujours payé. Ça, vous avez pour payer sans être ni mettre. Banque Centrale Gen Monnaie 5 kob, 20 kob, 50 kob, goud ak 5 goud. Mande banque pour la, ba ou monnaie. C'est droit ou et c'est devoir pour le servir. Pas prendre prier nan men aucune banque parce que Banque Centrale bay tout banque monnaie. Mais yon communiqué la douane pour tout monde qui concerné. La douane voulait dénoncer tout le monde qui, depuis dix d'antan, a utilisé tout moyen pour passer marchandises contrebande sous frontière pays à République dominicaine et dans la province surtout. Nous voulons faire tout le monde connaître que la douane, dans quatre missions la loi Bali, joint si pas gouvernement et spécialement ministère finance pour prendre toute mesure pour combattre contrebande. Pour aider le fait travail à plus bien, la douane mande toute association, entrepreneur, ti machin yo, ak lot citoyen ki remen peyi yo, vin bal bon jan information pou ka kwape mal sa ki rele contreban, kap detwi production peyi ya, entreprise peyi ya, ak travay ki nan peyi ya.
La douane a profité pour rappeler tout le monde que le décret 20 octobre 2005, là, qui dans le moniteur numéro 79, là, fait l'obligation pour les bailler récompense l'argent à tout le monde qui peut bali bon gens information qui cap aider le bataille contre fraude à contrebande. Si vous avez bon gens information pour bailler la douane, soit activité fraude à contrebande, relez la douane dans le numéro ça 28 18 99 99. 28 18 99 99. Relez la douane. Ça, c'était communiqué 501 la douane. Les campés par côté, la défense est là. La fesse a fait au marché, toujours j'en ou tablé. Ou toujours faire confiance, passer le bar performance. Ou satisfait sans mot, leur c'est client Sojé Banque. Sojé Banque, toujours bas côté mes amis. Sojé Banque. Après plus sur magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole, sur Télé Métropole, le rendez-vous économique. Les grands enjeux de législativio pour le reste de l'année, pour les 7 prochaines années, c'est ça qu'on a discuté là et on a regardé un chiffre. Politique, c'est une science liée, on a regardé des chiffres pour nous bien interpréter. Et Wolf Jean-François, président directeur général Radio Ibo, et nous avons également Franz Duval, qui est rédacteur en chef de Nouvelliste Cap Eden, décrypter chiffres ça. Monsieur, nous avons regardé le nombre total, nous avons regardé pays. Comment le département a comporté le nombre de candidats, qu'on a entré dans le parti politique. L'année dernière, le nombre de candidats à la députation par parti politique. Je crois que Franz Duval était en bonne ça déjà. Vérité en première position avec 100 candidats. PHTK 99, Fusion 85, Famille Lavalas 83, Exéco avec OPL, Remé Haïti 79, Petite Dessaline 75, Kid 73, Pont 50, Bouclier 49, La Paix 45, Unité Patriotique 39, AAA 36, et Atibouille en action, Respect 36, APLA 32, PPG 31, Consortium 30. Donc nous étions à 30 ans. Sachez ça, vous dites nous, monsieur, pour nombre de candidats à la députation, bon, il y a 10, mettez-vous là-dedans, même pour un gros morceau, yo. Est-ce que ça donne une idée de plateforme yo, ou parti politique yo, avec nombre de candidats yo, à la députation? Bon, c'est certain, les on plateforme ou bien on groupe politique ou bien on parti gagne et on centaine de candidats de 50 à 100 candidats et pour la députation dans tout pays hein, ça veut dire faut groupe ça gagne de gros moyens en main pour lui faire campagne pour chaque candidat. On a parlé de impression de poster de maillot de tout article de propagande électorale. Pour la 140 communes, 570 sections communales. Oui, ça fait en pile moyen, en pile l'argent. Donc, vérité, qui gagne la maillot ensemble avec PHTK, bon, vérité, son plateforme politique qui est opérée par le président Préval, et il dit qu'il gagne un gros support de secteur économique, on partit dans le secteur économique là. PHTK lui-même, il est dans une situation privilégiée côté que. Et c'est le parti au pouvoir qui, en général, utilise les ressources de l'État pour les capables de faire donc, campagne. Donc, chaque chiffre a une explication. Mais c'est certain, pour faire campagne pour candidat. Et ce que la loi et la loi électorale interdit. Mais nous, ouais, à chaque fois, et l'autre candidat a plein que le candidat PHTKO a utilisé le matériel de l'État, etc. Fusion, qui si on n'a pas dit ancien parti, sont les partis qui ont un minimum de structure qui organisent un pays qui a une représentativité. Bon, c'est un bon bagage que, si vous voulez, où il y a 85 candidats. Parce que ça n'a pas donné, c'est que c'est l'institutionnalisation de la vie politique à travers les partis. Donc, nous bien contents, nous, ouais, et partis qui l'a depuis longtemps, yo, yo, si vous voulez, il y a assez de candidats. Famille Lavalas, qui est un gros parti autour. Qui était au pouvoir pendant longtemps. Oui, qui était au pouvoir pendant longtemps, qui s'ouvre occuper l'espace politique, yeah. Là, qui n'est pas jamais pas là, même si, autant de toutes dernières élections, Famille Lavalas, c'est Zo, il n'est pas inscrit candidat, mais on ne connaissait pas vrai, il y a l'autre subterfuge, il y a l'autre bannière qui fait que, dans la Chambre législative, yo, ni dans le Sénat, ni dans la Chambre des députés, il y a toujours un sénateur à député qui revendiquait appartenance à Lavalas.
Donc OPL tout, on l'autre gros parti dans parti m'ta pas dire qui est plus ou moins structuré. Remain Haïti qui s'ouvre de ça là, Remain Haïti a petite dessaline, c'est peut-être. Oui. Innovation gagne le groupe là. Non, bon, pas vraiment innovation parce que ça crive. Même dans le parti socialiste là en France ou bien dans parti et m'ta pas dire de droite yo, gagne mon excroissance, gagne oui, gagne séparation que fait et puis vinn gagne l'autre m'ta pas dire groupe sorti là dedans. Remain Haïti sous garder puis font monde qui représenter parti, hein, c'est des monde qui sortent dans le mouvement La Valassa, dans le gros mouvement La Valassa, et puis c'est des salines, même gens, même bagaille là. Ok? Kid, qui c'est un plus ancien parti autour depuis 1986, et qui se transforme en mouvement, qui vient en convention, qui réunit plusieurs groupes, et bien Lilato, 73, et puis Pont, et qui c'est un autre produit, un sous-produit de La Valassa. Ponto? Oui, Ponto, c'est un sous-produit de La Valassa. Parce que, pas oublier, premier, monde qui font des ponts, c'est Jean-Marie Chérestal, qui est ancien premier ministre, c'est président Aristide, proche président Aristide. Et Bouclier lui-même, qui c'est Ndavado, il y a un satellite PHTK, sous pouvoir. Et qui ça encore? La paix lui-même, c'est Jude Célestin qui est ensemble avec Jean-Hector Anacassis. Vous appuyez la vérité alors? Oui. Avec M. Brival? Bon, oui, je vous dis oui. Donc, il y a une relation. Par contre, est-ce que, comme je dis, la vérité, il y a un gros problème avec l'exclusion professeur et Lumaclan. Est-ce que, par exemple, dans la prochaine élection, il n'y a pas l'appuyer sur la paix ou bien il n'y a pas l'appuyer sur le Pizit de Salim? Parce que, et tous deux monsieur Sao, ni Moïse Jean-Charles, ni Jude Célestin, c'est des proches, ou bien d'anciens proches du président Brival. Unité patriotique. Unité patriotique, là, moi, pas fin. Ou c'est l'ancienne plateforme Brival dans la dernière élection. Oui. Unité. Et bien bon, ça veut dire, c'est patriotique, là, mais t'es là, qui crée une confusion. C'est l'unité que Brival défend comme plateforme. Donc, ça veut dire, donc, en fait, c'est même bagaille. Ah, c'est parti sénateur La Tortue. Et... Son parti régional ou un parti vraiment national? Non. Avant, il était la Thibonite en action, qui était un parti régional. Et puis, quand il y a là, il vient de transformer en parti national. Okay. Qui fait que, il y a même, je dis, dans plusieurs côtés dans le pays, il y a un candidat. Regardez, 36 candidats, ce n'est pas pour la Thibonite. Ouais, c'est pas pour la Thibonite, seulement c'est pour différents côtés dans le pays. Respect qu'il a depuis la dernière élection 2006 avec Charlito Becker. Et qui te gagne sénateur, qui te gagne membre dans le Parlement, et qui est ancien membre qui était dans le Parlement, qui revient nous rejoindre. Et APLA, Fidel Monchéri, etc. La fameuse réunion de l'Ancho. Oui, c'est proche pouvoir et proche PHTK. Ok. Donc voilà, et en gros, si vous voulez, mais attendez, côté. Nous sommes au pod là. Est-ce que. Bah, là. C'est à peu près. Il y a quelqu'un moins que 30, parce que ça me brasse tout le monde qui est. Qui gagne. Ah, qui gagne 30. Ok. Oui, et puis bon, oui. Alors, France, quand on a traversé pour un candidat au Sénat, pour nous garder, est-ce qu'il y a un point commun, même au pôle de plus en sénateur? Bon, un candidat au Sénat, Famille Lavalas, c'est devant avec 16 candidats. Vérité suivre tout de suite avec 15. Remain Haïti, 14. Petite Dessaline, 14. Kid, qui s'est parti pour un ministre qui est en poste là, 12. PHTK, président Matéli, 11. OPL, 10. Unité Patriotique, 8. Consortium, 8. Bouclier, 7. PPFF, là, comme dit Wall, par contre, qui est PPFF, là, 6, La Paix, Jude Célestin, 6, Mopod de Samuel Madistin, 5. Est-ce que du tableau, ça oui, bon, similitude, enfin, gros parti, et sa proche, président Matéli, c'est une décadie, dans le haut tableau, que c'est PHTK, que c'est Kid, qui est le premier ministre Matéli, que c'est Bouclier, yo, dans le haut tableau, et puis, du côté La Valassa, apparenté La Valassa, ancien La Valassa, Nouveau La Valassa, Famille La Valassa, Vérité, Petite Dessaline et petite OPL, ancien La Valassa, Unité, même bagaille là. En fin de compte, nous t'avons dit qu'il y aura les anciens, nouveaux, ex-La Valassa et les PHTK. C'est à peu près ça qui
dans deux élections qui viennent là, législatives et sénatoriales, c'est à peu près force ça pour la bataille. Ça veut dire que ou bien non. Dans la valeur, ça a un bon problème d'ego, un bon problème réel, un bon compte qui fait au cours des années qui fait que vous n'avez pas amis. Mais il aurait été quand même avec un reste, nous avons dit un reste de. On va quitter traverser ensemble, qui fait que, vle par vle, une série de bagailles, un sénateur au PL, on va pouvoir entrer là-dedans. Un sénateur Rémi Haïti, ou un député ancien Rémi Haïti, qui a des bagailles, on va pouvoir pas bien entrer là-dedans. Bien que conjoncturellement, il y a une alliance avec PHTK, oui, mais quand même, il ne peut pas aller parce que le passé est différent. PHTK, il faut dire ça tout. PHTK, même aller chercher le monde ancien Lavalas, surtout. Parce que Lavalas, ça ne veut pas aller. C'est courant politique, comme dit Wall, qui a marqué la dernière année. Il y a des gens qui étaient là-dedans, qui quittaient, des gens qui traversaient, des gens qui changeaient l'idée net. Et puis, des gens tout, c'est joueur, oui. Sous acheter ou mais ça, on dit à très important, il y a des gens qui traversaient dans l'autre camp. Oui. Que le Naoum Marcellus, que le Tessoran. Oui, non, c'est, ça... des, c'est des transferts du genre Real Madrid qui a acheté. Non, mais regardez, ça a interpellé nous hein, en Haïti. Il y a un problème de fidélisation de classe politique. Là. Nous, si nous prenons l'élection qui a commencé en 1987 ici, et après l'ère du Valier, ou quand je vois des anciens députés, des gens qui font trois mandats comme député, après ça qui vient sénateur, ou vice versa, et puis chaque mandat il fait son bannière parti politique différent. Ça, son bagage qu'on a étudié. Qu'on a étudié. Analyser scientifiquement. Oui. Mais si on a fait combinaison là, puisque c'est stratégie. Et moi, bien content qu'un pile acteur politique finalement comprenne que le Parlement, c'est là que de grosses décisions prennent tout. Nous allons légiférer les politiques qui vont être faites, particulièrement la loi des finances. Si nous faisons une combinaison là, pour nous avant la Coupe du Monde de football, puisque son Coupe du Monde va jouer là, qui combinaison gagne là? C'est pour ça que m'évitez, monsieur. Bon. Je vais te chiffrer pour analyser pour moi. Non. Je ne sais pas si vous voulez des combinaisons gagnantes. Malheureusement, en Haïti, jusqu'à présent, c'est l'individu qui transcendait. Je ne crois pas que le Consenado, c'est le parti politique là, qui pourra le rafler. Ça dépend de qui côté et dans qui espace. Parce que, pas oublier, élections législatives, tant qu'élections municipales, c'est des élections qui déroulent dans une réalité de proximité. Moun a voté pour moun yo connaît. Li rare que vous pouvez voter pour un inconnu, côté que c'est Mdadjo, un bon candidat avec un bon staff campagne, avec un pile d'argent, et puis il a passé. Parce que ça arrive dans le Sénat, si nous prenons pour le Sénat, dans le Sénat pour l'Ouest, il y a une équipe, Sénat. Belle figure. Il y a 39 candidats pour l'Ouest. Il y a 39 candidats pour l'Ouest. Moi-même, si ce n'est pas dans l'espace public, nous demandons qui est-ce qui parle sénateur. Et dans la prochaine élection, là, je pense que c'est un sénateur. OK? Donc, d'où la nécessité que le sondage soit fait, parce qu'il n'y a pas de sciences politiques, il faut commencer à gagner. Il faut arriver à ça, alors, en France. C'est pas possible, mes amis. C'est là, peut-être, moi, je mettais des bémols. Il y a plusieurs modèles d'élection ici. Il y a un modèle d'élection 1990. On a voté coq qualité. Oui. Quel que soit le monde qui était candidat, oui, c'est vrai. C'était pas ça le problème, coq qualité. Vous votez comme qualité. Je dis, c'est notre réalité. Il y a une proximité. Non, très rarement, il y a une proximité. Très rarement. Bon, deuxième modèle d'élection, c'est un bouillie vide qui fait, et puis à la fin, la communauté internationale là, proposer un modèle, une formule pour rejoindre une solution. Ou là, après 90 là? Non, oui, après 90. Yeah. Et là, on m'a parlé d'élection 2010. Okay. Non, là, c'est plus pour présidentiel. Non, excuse-moi, Ewol. Unité a gagné 3 cas portions. Parce qu'en fin de compte, tu étais prêt présidentiel, là, pas bail Jude Célestel, mais tu quittes législatif pour candidat unité. C'est ça qui passait dans la dernière élection, dans entente que OEA. C'était le deal. Oui, c'était le deal. C'est ça le deal. Tu quittes mauvais résultat. L'aime dit mauvais résultat, entre guillemets, bourrage d'une qui était fait en faveur d'unité, sans c'est fait. Et puis, tu retiré le président en amène. Ça veut dire que côté populaire, côté dans la zone, combattre dans la zone, machine que unité te mettre sous pied. Ligue 1, élection au niveau législatif. Mm-hmm. Ça a fait deuxième bagarre. Quand on parle de sondage, sondage là, le problème en Haïti, et nous avons ça dans l'élection 2010, institut sondage, des fois, il y a des monnaies.
gen des années yo ba résultat reflété effectivement sa population pensée. En 2010 résultat pas reflété sa population oui. Ta vive là sondage en fin de compte sondage là qui sont éléments censés éléments plus scientifiques qui là pour élection que c'est à l'étranger ça arrivé mm-hmm. Parce que nous ouais ça arrivé non bonne élection à l'étranger ça sondage dit c'est pas lui qui fait oui. Ici tout il se trouve que des fois sondage pas reflété ça qui a passé réellement sur le terrain. Est-ce qu'il non, ici en particulier non ici en particulier par le fait que nous sommes peuple de Mahon. Après Mahonage, on avait dit au vin de mon bouquet mal rodé. Nous ne sommes pas le vote pour vendre, c'est bien quand les gens qui posent des questions. On est viré un petit peu, on ne peut pas questionner. Et les gens qui font sondage, c'est surtout les gens qui ont la réponse là. Les deux. Oui. Moi, je suis capable de faire les deux. Les gens qui font sondage, ils ont pour faire attention, parce que quand les sondages ont un billet là-dedans, les sondages ont une bonne bagarre là-dedans, que c'est eux-mêmes qui font sondage là, qui de temps à autre, qui peuvent essayer de balancer. C'est parce que les gens répondent non pour ceux que. Enfin, faut chercher contre-vérifier. Mm-hmm. Et il y a des gens qui répondent à tout, des fois, qui répondent à ça, ils disent. Ok. Bon, je continue, nous, monsieur, parce que bon, on est assez connu que sportif. Moi, je m'avais essayé d'analyser ce chiffre-là, et voilà ce que je vais faire là. Si je m'avais essayé de chercher la majorité, même si l'or, il vient d'un parlement, il a changé, bon, je vais garder un chiffre, ça, là. Nous disons que la vérité, qu'il y a une relation à PHTK,